Ce qui coule dans nos veines. De quoi ça parle? Ce qui coule dans nos veines, c'est l'histoire de Garance, qui à 17 ans et quelques mois vient d'entrer en classe préparatoire aux grandes écoles, dans un lycée. Elle y fait la connaissance d'Adam, et entre eux, c'est une sorte de coup de foudre. Première grande histoire pour l'un comme pour l'autre. Après quelques mois de bonheur parfait, Adam rentre des vacances de Noël fatigué. Il va chez le médecin qui lui confirme qu'il est malade, qu'il souffre d'une leucémie dans une forme aiguë. Garance se dit qu'il faut alors agir et que, raisonnablement, Adam va prendre la décision de se soigner. La leucémie se soigne assez facilement si on passe par l'étape de la transfusion sanguine, et cette étape-là, c'est une idée qu'Adam, pour des convictions religieuses et personnelles, refuse purement et simplement. Dans ce roman, qui s'adresse aux adolescents à partir du lycée, on accompagne Garance qui va chercher à comprendre ce qui se joue pour Adam, comprendre s'il y a des manipulations et surtout qui va essayer de le faire changer d'avis. On la suit dans ses questionnements et dans son histoire d'amour pour le meilleur et pour le pire.